Bonjour à tous, amis auditeurs, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, comme le roi Salomon. Encouragé par de premiers résultats, vous souhaitez avancer dans la science spirituelle, développer en vous une foi vraiment vivante? Vous vous demandez comment progresser? Demandez à l'esprit qui est en vous d'être votre maître. Et considérez cette croyance en la toute-puissance de l'esprit créateur de tout bien comme la plus urgente, la plus importante de toutes vos affaires. Vous rappelez-vous de la vie du roi Salomon ? On connaît évidemment ces histoires pleines d'enseignements, mais la routine en a émoussé le relief. La voici donc. Lisez-la à la lumière de ce que vous savez maintenant. Dieu apparut en songe à Salomon alors que celui-ci n'était qu'un jeune roi et lui dit « Demandez-moi ce que vous voulez que je vous donne. » Il eût pu lui demander la domination du monde, tous les biens matériels, plus la santé et l'amour. Or, le jeune monarque ne lui demanda qu'une seule chose, la sagesse. « Je fais selon vos désirs, » répondit Jéhovah. « Je vous ai donné un cœur si plein de sagesse que jamais homme ne vous a égalé. Mais je vous ai donné même ce que vous n'avez point demandé, les richesses et la gloire. De sorte qu'aucun roi ne vous aura jamais égalé dans les siècles passés. » Cette grande leçon de l'Ancien Testament, nous la retrouvons dans le Nouveau. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous viendra par surcroît. Comment disent les uns, cherchez d'abord la sagesse, le royaume de Dieu, alors que nous sommes accablés de soucis matériels. C'est pourtant le seul et unique moyen de voir la fin de ces soucis. Une comparaison bien simple vous aidera à comprendre. Que diriez-vous de celui qui, dans l'obscurité, cherchait à s'éclairer en mettant une ampoule électrique, sans ouvrir d'abord le compteur? La force électrique est l'image de ce royaume de Dieu dont il nous est affirmé qu'il est plus proche de nous que nos pieds et nos mains. Mais il faut établir le contact. Cherchez d'abord la sagesse, c'est-à-dire ouvrir le compteur qui nous relie à la grande centrale. Et tout, absolument tout, vous viendra par surcroît. Application. Faites l'effort de chercher d'abord le royaume. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et à demain, amis auditeurs.